Son ennemi vint
sera délivré parmi les blés. Et ça va. Et lorsque l'un lui poussait et donnait du fruit, livré par lui aussi. Le serviteur du maître de la moisson vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc il y a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant, livré, vous les déracinez aussi et en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans les greniers. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout nom excellent. Nous te remercions, cher Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour la grande lumière qui est venue, mon Dieu. Tu nous as envoyé, Seigneur, ce glorieux message au travers de ton prophète, William Alamana. Seigneur, tout ce que nous avons connu, Seigneur, les églises du monde, a été comme de la boue, Seigneur. Quand nous avons rencontré ce message, Seigneur, Père Béné, c'était une nouvelle vie en nous, mon Dieu. Et voilà pourquoi nous voulons confier, soyez, Seigneur, dans cette parole bénie. Viens, Seigneur, Père Béné, où est-ce, Seigneur, et ce moment merveilleux, Seigneur, bénis chacun de nous, Père bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui fait encore son chemin, laisse qu'il puisse le protéger. Bénis la lecture de ta parole, dans le nom précieux et parfait de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour le soir. Amen. La ségrégation selon Dieu, ou la ségrégation des semences. Amen. Juste pour récapituler, c'est toujours dans les cadres du ministère du royaume. Amen. Parce qu'ici, dans Matthieu 24, c'était les paraboles que Jésus-Christ donnait. Juste dans ces passages, il y a tellement de prédications là-dedans. Là, nous avons pris la ségrégation. Amen. On avait dit que Dieu, c'est un ségrégationniste. Dieu ne sépare toujours. Parce que la sémence ne réitérera pas avec le mal. Je vais prendre encore 1 Corinthiens 6. Ainsi dit la Bible. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Amen. Étrangers, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliat? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Car nous sommes les temples des dieux vivants. Nous sommes les temples des dieux vivants. Dans le temple, c'est même bâtiment, c'est nous. Amen. Amen. Yes, sir. Nous sommes les temples des dieux vivants. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Amen. La Nouvelle Jérusalem dit des saints. N'est-ce pas? C'est Dieu au milieu de son peuple. Amen. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Amen. Durant les âges de l'Église, parce que la moisson, c'est les âges de l'Église, le frère Madame l'a dit. On a vu ça durant le mystère de la moisson. Et durant les âges de l'Église, c'était les champs où on avait remarqué qu'il y avait aussi des livrets. Ils voulaient faire les travailleurs des champs voulaient faire la ségrégation en ce temps-là. Le maître dit non, ne le faites pas maintenant. Laissez-les croître ensemble jusqu'à ce que toutes les semences vont produire les fruits. Et à ce moment-là, vous allez maintenant faire la ségrégation. Ici, la Bible nous dit que le maître a dit qu'il faut prendre le livret, lier d'abord. La première chose à faire,
c'est lié, livré à botte et brûlé. Et la deuxième chose, amasser les grains dans les greniers. Amen. Livré, ce sont les églises dénominationnelles. Nous avons l'interprétation du frère Branham. Le frère Branham dit que cette botte-là, délivrée, c'est le mouvement écuménique. Ça, c'est déjà une réalité. Amen. Amen. Et le blé qui sera amassé dans les greniers, ça, c'est l'enlèvement. Vous avez compris? Ceci doit avoir lieu dans les âges de l'Église, pas après. Ok? Avant la descente de la nuée, il faut qu'il y ait la fin de la moisson. On avait déjà parlé de la moissonneuse baptême. Qui est arrivé? Qu'est-ce que la moissonneuse baptême fait? Ça fait la ségrégation des semences. Ça jette la balle de l'autre côté. Et les grains de l'autre côté. Parce que les grains devaient être mis au grenier. Pour la moisson prochaine. La séparation de la ségrégation a été interdite dans les âges d'église. Parce que tout le monde devait croire dans ça. Amen. C'est pourquoi, après les âges de l'Église, on dit que Satan est lié. Il est lié comment? Il est lié par rapport, non, par les chaînes des circonstances. Il n'a plus de corps à utiliser. Comment? Parce que dans les âges de l'Église, Satan utilisait même les enfants de Dieu. Et même comme Luther qui était un enfant de Dieu. Mais il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wesley était un enfant de Dieu, c'était un messager. Mais le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'était sorti du malin. Mais après les âges d'église, les diables n'auront plus accès aux enfants de Dieu. Ils peuvent commettre des erreurs, ce n'est pas de ça que nous parlons. Parce que le péché, c'est mal interpréter la parole. Amen. Amen. Voilà pourquoi après les âges d'église, nous voyons les parfaits vient. Ok? Parce qu'après les âges de l'Église, en principe, le péché prend fin. Parce que dans le quatrième but de la législation de Gabriel à Daniel, il dit, il mettra fin au péché. Amen. Après l'accomplissement du quatrième but, le péché n'existe plus pour les croyants. Mais les erreurs existent. C'est ça. Il faut faire la part des choses. Quand on parle du péché, on ne parle pas des erreurs. Parce que s'il s'agit des erreurs, personne ne serait sauvé. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est la mauvaise interprétation de la parole. Au cas le livre est ouvert, la parole est interprétée ouvertement. C'est ça qui met fin au péché. Et le diable n'a plus accès aux enfants de Dieu. Parce que la vraie chose est revenue. Le diable ne peut donner une mauvaise interprétation de la parole à faire parole. Parce qu'il a vu la lumière. Et cela devait arriver après la ségrégation des deux semences. Parce que deux semences ne peuvent pas habiter ensemble. Dans Genèse 1, hein, Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le frère Branham dit que Dieu a toujours fait ça. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à le faire. Amen. Si vous remarquez dans la Bible, dans Genèse 3, je pense, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Dieu dit qu'il est, c'est dans Genèse 1, 4. Dieu dit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais si vous descendez en bas, vous allez voir encore que Dieu a créé maintenant la lune et le soleil. La lumière en question, ce n'est pas ce soleil, c'était le logos. Amen. Je vais prendre. Attends, je vais prendre ça. Genèse 1. Voilà, là il dit 5. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu sépara la lumière du ténèbre. Maintenant, au verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous comprenez?
Maintenant, ici, Dieu crée les luminaires. Ça dit soleil, étoile, ainsi de suite. Ok? Mais la lumière qui avait séparé les ténèbres, c'était autre chose. C'était le logos. Parce que la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Donc cette lumière ici, qu'on a séparée, ce n'est pas le soleil, hein, c'est la lumière de Logos, qui est la parole. Et quand on parle de ça, nous sommes là, là comme étant attribués. Nous étions là attribués, avant la manifestation de la chair. Et quand cela arrive maintenant dans sa plénitude, il faut qu'il y ait séparation. Parce que les deux esprits ne peuvent pas habiter ensemble. Comme Joseph. Joseph était un enfant de Dieu. Joseph avait des songes. Et quand il avait des songes, ses amis, par ses frères, ont appelé Joseph les faiseurs des songes. Ce n'est pas lui qui faisait des songes. Voici le faiseur des songes qui arrive. Vous savez ce qui lui est arrivé. Si Joseph a été vendu par ses frères, c'est juste à cause de la lumière qu'il avait. Amen. Si Jésus a été crucifié, c'est parce qu'il était la lumière. C'est tout. Et les ténèbres ne supportent jamais la lumière. Je continue. Dans Jean. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parlait pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Cette lumière était la véritable lumière. La véritable, ce n'est pas simplement dans le sens du vrai et du faux. Ce que nous avons là, c'est aussi la lumière. Ça aussi, c'est une lumière. Mais la véritable lumière, c'est Jésus. Amen. C'est dans le sens du passé et du parfait. Parce que tout ce que nous voyons ici existait dans la pensée de Dieu. Dieu a représenté cela sous forme de matériel, ce que nous avons là dans nos pensées. Quand on parle de la lumière, pour nous la lumière c'est les ampoules et les soleils. Or pour Dieu la lumière ce n'est pas ça, c'est le logos. Amen. Amen. C'est comme les enlèvements, toutes ces choses-là. Chaque chose est représentée ici sur la terre. Même quand on parle de l'agneau, l'agneau que nous mangeons là, c'est qu'on fait les cabris, ce n'est pas ça l'agneau. Amen. Le véritable agneau, c'est Christ. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il avait en lui, cet esprit-là ne pouvait pas, n'est-ce pas, répliquer. C'est cet esprit-là qu'on appelle agneau, pas les sabots, pas les poils. Et l'agneau qui est venu, l'agneau aussi était, avait la même nature. Vous comprenez? Cet agneau, comme il avait la même nature, qui ne pouvait pas répliquer au mal. L'agneau animal, on appelle ça aussi l'agneau. Mais son nom de l'agneau, c'est par rapport à sa nature, pas par rapport à ses sabots. Un lion est lion par rapport à sa nature. Parce que tu peux avoir un lion qui n'est pas un lion. Moi j'ai vu les lions qu'on a coupé les ongles, qu'on a arraché les dents. C'est un lion à l'apparence, mais la nature du lion est déjà partie. Amen. C'est pourquoi vous voyez, quand Jésus vient, il prend toute cette nature-là. Il vient, il dit, il est le lion de la tribu de Juda. Il vient, il dit, il est l'agneau. Il est tout ça. Il est la colonne, ainsi de suite. Ce sont des natures. Ok? C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a présenté Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Les gens s'attendaient à voir un animal avec des sabots. Mais c'était un homme. Les gens pouvaient chercher, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? My. Où est l'agneau? Mais l'agneau était un homme. C'est ça. Si nous disons, frère, ceci a été Dieu, mais frère, nous sommes en vous ici, frère. My. Ce sont les interprétations. Yes, sir. Quand on parle de la lumière, vous pensez que ce sont les ampoules. Non. Jean ici est venu rendre témoignage à la lumière. Pas le soleil, mais la lumière qui était Christ. Et cette lumière-là, quand elle est venue
vers les ténèbres l'ont rejeté. Les ténèbres, c'était des humains. Amen. Yes. Et puis la lumière, c'était un homme. C'était le Logos là, qui était incarné dans Jésus. C'est ce qu'on avait appelé la lumière. Yes. Et c'est le Logos là, c'est ça qui a créé le monde. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Pour résumer, la parole de Dieu, c'est la Bible. Non, la parole de Dieu, c'est le Logos. Yes. Voilà pourquoi, quand le Logos est venu, il est venu corriger la Bible. Il n'y a pas d'enfer qui brûle éternellement. Yes. Pour brûler éternellement l'enfer, tu dois avoir la vie éternelle. Yes. Comment avoir la vie éternelle et brûler éternellement l'enfer? Normalement, ce n'est pas correct. Yes. Tu brûleras le bouillon de bien billets d'année et après tu iras dans l'anéantissement. Parce que l'âme qui perd, c'est l'âme qui mourra. C'est la parole qui corrige la Bible. Amen. Parce que la Bible, ce sont des gens qui ont été inspirés, mais il y avait toujours des petites erreurs, si je peux dire ça comme ça. Mais quand la parole est logos est venue, c'est pour corriger maintenant, remettre ce qui était dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi, frère, on ne peut pas ramener le frère Branham dans cette Bible. On ramène cette Bible dans la parole. Parce que la Bible a été beaucoup interprétée. Vous savez, les New Kings, King James Version, ils ont tout changé. Même dans cette Bible, là où on parle des aigles, ici on parle des vautours. Oh. Ben oui. Là, c'est tout le corps, là, ça semblerait les vautours. C'est écrit ici, là. Moi, dans ma Bible, c'est les vautours. J'ai effacé les vautours, j'ai écrit aigle. Ah ben oui. Mais il y a des gens qui ont cette Bible là pour moi. Parce que nous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Frère, parce que nous sommes les logos. Amen. Nous sommes les paroles du livre. La parole de Dieu, ce sont des humains, ce sont des hommes, toi et moi. Quand nous marchons, nous sommes la parole. Paul dit que vous êtes les épîtres vivantes écrites que le monde lira. Amen. Amen. Moi, la parole, je ne peux pas supporter voir ma nature être changée. Parce que ma nature, c'est la parole. Amen. Tu mets les vautours, j'efface, je mets elle. Parce que lui, tu sais, c'est le passé qui est le frère. Voilà. Yes. Tu changes, notre message. C'est pourquoi il ne faut jamais lire n'importe quelle Bible. Prenez King James Version. C'est ce que le frère Bonham disait. C'est très important. Mais la parole à laquelle ne sera jamais changée. Oh, gloire à Dieu pour une importante. Frère, si vous n'avez pas les prophètes, on va vous changer la Bible n'importe comment. Vous allez commencer à voir ça comme ça. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Le monde a été fait par elle. Qui? La lumière. Mais le monde ne l'a point connu. Les hommes. C'est l'univers qui a été créé par la parole. Mais les hommes qui habitent dans cet univers-là refusent maintenant la lumière. Il est venu sur les siens, les siens ne le point reçu. Maintenant, ici dans l'Ésaïe 42. Le frère Branham, en prêchant la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Qu'est-ce que le frère Branham? Le frère Branham nous prend Ésaïe 42. Il dit, ça c'était la prophétie. Il dit, l'accomplissement de cette prophétie, c'est dans Matthieu chapitre 4. Lisons ça un peu. Je ravagerai montagne et colline quand le Messie viendra. Qu'est-ce qu'il fera? Il va ravager les montagnes et les collines. C'est-à-dire qu'Israël deviendra plat. C'est comme ça, non? Ouais. Une fois, j'ai suivi un juif. J'ai pris tous les passages qu'il avait utilisés. Régner la divinité de Jésus. Parmi les passages, ça aussi, il y a la vie. Il dit que tant qu'il y a une montagne en Israël, on ne croira pas que le Messie est venu. Parce que la Bible dit qu'il va ravager les collines. C'est-à-dire que, moi, sous la frère, ça y est là. C'est-à-dire qu'Israël sera plat. Mais le Messie est venu, il y a toujours une montagne en Israël. Il y a toujours des collines. Mais vous me dites que Jésus est le Messie. Vous voyez les promesses de Dieu comment ça se comprend. Les femmes, en disant ça, ils parlaient de montagnes et de collines de leur cœur. Voilà.
Mais ici, on avait expliqué. Lorsque blanc, my man. Voilà pourquoi nous sommes des fous, mon frère. Amen. Vous, vous croyez ça, frère? Nous sommes encore comme ça, frère, vous croyez ça? Mais ce sont les mêmes esprits. Yes, sir. Amen. La sémence ne réitérera pas avec la bâle. Yes. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Yes. C'est pourquoi, bon, on ne discute pas. Aujourd'hui, frère, la déclaration de frère Joseph est devenue comme un rempart pour les incrédules. C'est-à-dire que nous, on n'a pas à lire le message. On va attendre le frère pendant lire le message. Le frère Joseph lire le message. Il vient de dire, frère, l'enlèvement de A déjà eu lieu. Là, maintenant, vous croyez. Mais vous êtes croyant. Pourquoi est-ce qu'on a enregistré le message? Mais le frère Joseph, c'est un homme. Il peut progresser dans la révélation. Si le frère Joseph dit que voilà, on n'est pas encore dans le millénaire, mais il va au moins vous dire quand est-ce que le millénaire viendra. Et s'il change la pensée de me dire, oh, je n'ai pas bien vu ça. Le millénaire, c'est le passé. Vous allez faire quoi? Vous allez quoi? Là, vous ne croyez même pas. Oui, oui. Là, vous ne croyez pas. Frère, attention. Le frère Joseph, c'est un prophète. Le frère Abraham l'a dit. Yes. Nous disons Amen. Yes. Mais Jean-Baptiste, à un certain moment, lui qui avait présenté le Messie, yes, il est parti dire à ses disciples-là, allez-y demander si c'est ton mari ou le devant. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Est-ce que Jean-Baptiste était un faux prophète? Non, non, non. Quand on a dit que la vision de l'aigle s'affaiblissait, ouais, ouais. Jean-Baptiste était un vrai prophète. Yes. C'est lui qui avait présenté le Messie, c'est lui qui avait mis la colonne des sables. Voilà. Il dit, allez-y un peu demander si c'est lui ou le devant quoi. Attends, Paul le dit. Même si nous-mêmes nous venons, même les anges, yes, qui viennent nous prêter quelque chose d'autre que ce que nous avons montré, yes, qu'ils soient à la terre. Yes. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, ce que je crois, même le frère Branham vient ici, je dis frère Branham, le millénium a déjà eu lieu. Amen. 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 Je dis frère Branham, l'enlèvement a déjà eu lieu. Parce que le frère Branham ne peut pas contredire le vol. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça ne soit pas un rempart? Et le frère Joseph n'a pas dit que ça et ça est faux. C'est pas ce qu'il a dit. Les gens commencent à interpréter ce que le frère Joseph a dit. Ils ont créé des histoires sur ça. Laissez les prophètes de Joseph tranquille. Nous l'aimons. Amen. Nous aimons frère Joseph. Le frère Branham dit si vous m'aimez, aimez mes enfants. Amen. Amen. Il a simplement dit que non. Comment est-ce que vous saurez que le millénium est faux, la polygamie est faux, si vous ne laissez pas les messages. Lui, il envoie déjà à lui le message. Et quand nous répétons ici, nous répétons ce que le frère Branham a dit. Et c'est ça que le frère Joseph nous demande d'aller lire le message. C'est ce que nous faisons. Amen. Il ne faut pas prendre votre incrédulité, commencer à justifier par rapport à la déclaration du frère Joseph. Et lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Non, le frère Joseph est correct. Il est le professeur qui l'a dit, c'est comme ça. Amen. Amen. Parce que les gens aiment interpréter. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas comme nous le pensons. Yes. Il y a un monsieur au Congo-Brazzaville, il s'appelle Boris Mott. Il fait un ancien prédicateur du message. Il va la dire que non, le frère Branham, c'est un faux prophète parce qu'il a donné des promesses qui ne se sont pas accomplies. Voilà un humain qui attend les promesses de Dieu comme un humain. C'est pourquoi la lumière ne peut pas cohabiter avec les charnels, frère. Les choses, c'est des choses spirituelles. Amen. Quand Dieu donne des promesses, il faut regarder. C'est pourquoi Jésus donnait des signes. Si vous voyez ça et ça, sachez que. Amen. Une nation contre une nation. Un royaume contre un royaume. Quand vous voyez déjà des guerres comme ça, sachez que la chose a déjà eu lieu. Pourquoi Jésus donne des signes? Parce que ça vous sera difficile de détecter la chose. Amen. Yes. En voyant maintenant la descente de la nuit, c'est là où nous avons proposé tout est déjà passé. C'est ça que les disciples ont vu. Quand les disciples ont vu la montée de transfiguration, c'est là où ils ont demandé à Jésus. Mais il fallait que. Il fallait que Jean-Baptiste puisse venir. Comment? Ils ont demandé quoi? Il fallait qu'il y ait. Comment est-ce qu'il dit? Matthieu 17. Ah, Élise, merci. Quand ils ont vu Matthieu 17, ils ont dit quoi? Mais il fallait qu'Élie puisse venir. Parce que quand ils ont vu la montée de transfiguration, eux, ils ne savaient pas que Jean-Baptiste était Élie.
Ils ne savaient pas que Dieu avait déjà envoyé l'ennemi. Mais quand ils ont mis la montagne de purification, ils se sont dit, oh, mais il fallait que l'ennemi vienne maintenant. Comment est-ce que toi, l'ennemi, si tu es venu sans ennemi? C'est là où là, Jésus dit qu'il est déjà venu. Mais vous ne l'avez pas reconnu. On a fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. C'est ça. Quand vous voyez les salles de la nuée, c'est là où nous comprenons que l'enlèvement est déjà venu. Enfin, la nuée, l'enlèvement, c'est la quatrième saut. Oui. La nuée, c'est le septième saut. Oui. Mais vous ne pouvez pas attendre une promesse du quatrième saut après le septième saut. Et le septième saut, c'est la tête de la pyramide qui vient clôturer la dispensation. Vous allez mettre l'enlèvement où? Dans la pyramide. Ou dans les zodiacs. Vous allez mettre ça. C'est la même place. Nous sommes Léo, la seconde venue. Vierge, la première. Léo, la première, la seconde venue. Et le papa dit, entre Léo, avant d'arriver à Léo, il y a l'âge du cancer. C'est ça l'âge de l'homme, c'est l'enlèvement. Amen. Et la moisson devait avoir lieu dans l'âge du cancer. Après l'âge du cancer, c'est le Léo. Après Léo, il n'y a plus d'autres figures. Les effets, ça n'a rien à Léo. La pyramide s'arrête à la pire fait. Et la Bible s'arrête à pourrer chapitre 22. C'est fini. Mais vous cherchez. Oh my. Ah là là là. Que Dieu soit béni. La Bible dit, et je dessécherai toute la verdure. C'est-à-dire que les arbres vont dessécher. Ici, on parle du Messie. Je changerai le fleuve en terre ferme. C'est-à-dire que le fleuve est devenu une terre ferme. Et physiquement, ces promesses ne sont pas accomplies. Yes. Mais spirituellement, c'est déjà accompli. Parce que quand le Messie vient, je dois comprendre que le fleuve est déjà devenu une terre ferme. Mais quand je regarde le fleuve, il y a encore de l'eau. Mais pour moi, c'est déjà devenu une terre ferme. Quand je regarde la verdure, c'est encore vert. Mais pour moi, c'est déjà desséché. Parce que c'est ça qu'il a dit. Quand le Messie vient, cela doit être comme ça. Même si moi je ne comprends pas avec le Messie, je le crois, je dis Amen. Amen. Et je mettrai les étapes à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Un aveugle, ce n'est pas celui qui a les yeux fermés. Frère Branham dit que Simeon n'avait pas les yeux, mais lorsqu'il a touché Jésus, il dit que mes yeux ont vu le salut d'Israël. C'est avec quels yeux? Yes. Spirituellement. Oh là là. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Les ténèbres en question, ce n'est pas éteindre les ampoules. Les ténèbres en question, ce sont les mauvaises interprétations. Fabian dit que quand Jésus était en train de discerner la pensée de la femme au puits, Fabian dit qu'il était en train d'enlever les nuages noirs. Et changer les ténèbres en lumière. Amen. Et les endroits tortués en pleine. Ça dit va raboter. Les endroits tortués, ça deviendra une plaine. Avant que le Messie puisse venir. Le Messie est-il venu? Oui. Le bien. Les Paul, tous les disciples, comme ils croyaient que Jésus était le Messie, ils devaient aussi croire que toutes ces promesses étaient accomplies. Amen. Voilà pourquoi ils ont eu la guerre. Voilà pourquoi ils ont été, n'est-ce pas, menacés à cause de ça. Vous dites que le Messie est le Messie, mais regardez les montagnes. Est-ce que cette fleuve, ces fleuves-là, c'est déjà devenu la terre ferme? Ça, c'est quelle doctrine? Mais Pierre dit, oh, c'était le Messie. Si le Messie est venu et que cela n'a jamais changé, n'a pas changé, cela veut dire que nous avions mal compris. Si la nuée est descendue, c'est-à-dire que c'est moi qui avais mal compris c'est quoi l'enlèvement. Voilà. C'est moi qui avais mal compris. J'ajuste maintenant ma pensée par rapport à la parole de Dieu. C'est ça qu'on avait dit. Frère Branham dit que la raison des églises, des synagogues, c'était la venue du Messie. En pensant que quand le Messie était venu, il devait tout se fermer. Maintenant, quand ils ont fait de ça un commerce, Frère Branham dit que le Messie est venu. C'était la réponse à leur prière.
Mais ils avaient une autre manière de voir la venue du Messie. Quand il est venu, on l'a manqué. C'est ça l'ordre. Nous avons notre millénium à nous. Nous avons notre enlèvement à nous. Vous voyez? Oh, frère, madame dit que les choses de Dieu sont très simples. Mais quand là, quelque chose est trop simple, ça devient encore difficile. Une fois, le pasteur a dit, nous avons raconté une histoire. Il dit, lorsque c'était difficile au Congo de traverser avec les diamants, il dit, un monsieur est venu avec les diamants. Vous savez où il a mis son diamant? Il met son diamant dans son mouchoir. Il prend les diamants et il met là. Allez, passe là-bas! Il passe là-bas. Fais ça! Il fait ça. Il tient son mouchoir. Il contrôle. Il n'y en a pas. On voit les sacs là-bas, il n'y en a pas. Enlève les chaussures, enlève les chaussures. Il n'y en a pas. Il dit, mais je vous avais dit que je n'ai pas les diamants. Je vous avais dit, non, je n'ai pas les diamants. Non, on va bien. Et enlève encore. On a levé, on a cherché. Le mouchoir, et les diamants étaient là. Il avait des pas transmis, comment ça se suit avec les diamants? Avec, ok, tu peux partir, mais les diamants partent. Dieu s'est caché sur le dos de la simplicité. C'est ça les choses de Dieu, frère. C'est tellement simple. Le frère Bonhomme a dit que les gens s'attendent à un grand événement. Le frère Bonhomme, il se trompe assurément. Le frère Bonhomme dit que l'enlèvement, ce n'est pas un grand événement. Ils vont demander, mais il fallait qu'il y ait un bon enlèvement. Mais ça les a aimés. Mais le problème, c'est que, frère, moi, quand j'avais vu la nuée, quand j'ai vu ce que le frère Bonhomme a dit par rapport à cette nuée, j'ai commencé à justement penser. J'ai vu dans la divers, le frère Bonhomme parle de la nuée. Il dit, parlons du jugement des trônes blancs. Mais non, c'est l'Apocalypse du frère. Non, mais non, c'est la Daniel 7. Daniel 7, c'est la nuée du roi. J'ai compris que ça, là, c'est le jugement du trône blanc. Bon, quand le jugement du trône blanc vient, mais l'enlèvement, c'est ça du passé. C'est là où j'ai ajusté ma pensée. Voilà. C'est là où j'ai parlé d'un frère Marie, frère. Tu as suivi les dégâts du frère Joseph Marie, moi j'ai suivi ça. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je n'ai jamais pensé rien. Moi, le prophète a parlé, il n'a pas parlé. J'ai pensé quoi? Ah, madame Manzano, frère, la passe. Ma vie, il faut aller. Sinon, tu seras brûlé. La Bible dit ceci. Et les endroits que tu es en pleine, voilà ce que je ferai. Et je les abandonnerai. Point. Maintenant, l'interprétation de ce passage, c'est dans Matthieu 4. Maintenant, qu'est-ce que Matthieu 4 dit? Verset 15. Le peuple des Abonnants et des Nephtaliens, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Amen. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est le lever du soleil. Comme l'éclair va de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Et quand le Fils de l'homme vient de ce côté-là, même les Juifs doivent le voir là-bas. C'est ce que j'ai toujours dit. Malachie chapitre 4, c'est dans l'Ancien Testament. Les Juifs lisent l'Ancien Testament. Zacharie 14, c'est l'Ancien Testament. Quand les Juifs, un jour, a sa Bible comme ça, il est en train de lire Zacharie 14, autant que soit la lumière apparaître. C'est que cette promesse-là lui a été aussi donnée. Mais Malachie 4, c'est une promesse qui a été donnée aux Juifs. Et quand Malachie 4 vient, il finit sa mission, il est parti. Vous cherchez encore la paix de 50 ans. Parce que cela devait avoir lieu dans les 3 ans et demi. Pas après la nuit, avant. Parce que la nuit, c'est le livre de la rédemption qui va vraiment racheter la race déchue d'Adam. Amen. Amen. C'est-à-dire que, frère, même quand on dit qu'on est épouse, on est épouse comment? C'est après le mariage. Dieu n'est pas comme un Congolais qui est parti en Europe et envoie son petit frère le représenter pour le mariage.
c'est que vous êtes marié. Si vous êtes marié, c'est que l'époux est venu. Parce que le mariage, c'est l'époux et l'épouse. Le mariage de l'agneau, les noces de l'agneau. Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ. Dans les anges de Christ, nous étions fiancés. Mais après les anges, nous sommes devenus épouses. Yes. On ne peut pas être épouse si le mari n'est pas venu. Au moins que ce soit un Jésus congolais. Oui, oui. Qui n'a pas encore eu ses papiers, qui ne peut pas aller avec Jésus. Il a encore son petit frère, il est représenté. Vous voyez là où nous sommes. Oui, oui. Enfin, c'est simple et simple. Si Jésus n'est pas encore venu, arrête de t'appeler épouse. Appelle-toi fiancé. Fiancé de Jésus. Fiancé de Jésus. Parce que le mari n'est pas encore venu. Voilà. Au moins si c'est un Congolais. Mmh. Mais dans le cas contraire, Jésus n'est pas encore venu, tu n'es pas encore épouse. Voilà. Et le mari peut d'abord avoir lieu. Or, après le mariage, on ne dit pas que non, c'est toujours les Congolais. Il se marie, il envoie d'abord la femme chez ses parents, il cherche d'abord la maison. Ah. Après le mariage, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Après le mariage, on va aux noces. Automatiquement. Et les noces, c'est ça le troisième ennemi. C'est ça l'enlèvement. Si Jésus est venu, comment est-ce que vous dites que non, Jésus est venu dans la nuée, il est venu nous parler pour l'enlèvement. Depuis qu'il est venu depuis 63. Mais ça, c'est quel malheur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se débrouiller. Il cherche la terre pour nous pousser. Ah non, ah non. Ah non, soyons réalistes, frère. Amen. C'est des petits contacts. Quand il te marie, il te mène dans la noce. Et au retour, tu deviens épouse. C'est pourquoi on a dit ça, c'est le retour de l'épouse. La nuit, c'est l'époux et l'épouse. Amen. Parce que quand il revient là, c'est après le mariage, après les noces. Amen. Voilà pourquoi on dit que c'est l'épouse qui est venue. Amen. Et cette épouse a été composée de tous les âges de l'église. Depuis Éphèse. Amen. Jusqu'à la Odyssée. Amen. La Éphèse, la semaine, ils n'étaient pas l'épouse. Ils étaient fiancés, comme a dit Paul. Et dans l'âge de la Odyssée, Christ est venu se manifester dans la chair humaine. Amen. Il a pris en mariage l'épouse des nations, il a amené dans les noces. Et ils sont revenus maintenant pour exercer le jugement. Amen. Amen. Parce que les saints jugeront la terre. Amen. 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 C'est Christ incarné dans les saints. Amen. Qui juge. Quand il revient, les trônes au pluriel sont installés. Yes, sir. Et le jugement commence. Amen. Et les livres au pluriel sont ouverts. Amen. Pour exercer le jugement. Quand on dit que les livres en question, c'est toi et moi. Amen. Ce n'est pas un livre qu'on fait des feuilles. Non. C'est pas ça. C'est ça, mon frère. Tout, hein, frère. Le problème, c'est que quand on dit qu'un chrétien charnel, nous, on pense qu'un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui boit. Non. Un chrétien charnel, c'est celui qui a la pensée charnelle en chose de Dieu. Oui. Quand on parle du livre, lui voit le livre. Quand on parle du sang, il voit cette substance rouge. Non. Oh, le message de Dieu est venu pour changer nos pensées. Amen. Nous donner la pensée de Dieu dans le moindre détail. Livre des hommes. Amen. Et le sang, la vie. La lumière, ce n'est pas les ampoules, c'est le boss. C'est ça la parole. Et frère, si vous allez chez les dénominationnels, vous allez voir les églises là-bas, on prend une soeur, on dit, oh ma soeur, tu as beaucoup de chérés. Il y a des sirènes dans tes chérés. Il faut tout couper. Et la fille va couper tous les cheveux parce qu'il y a des sirènes. Mais sirène, c'est quelque chose de spirituel. Quelle est cette sirène-là qui va habiter dans les cheveux naturels? Ce qui est spirituel, est spirituel. Couper les cheveux, ça n'a rien à voir avec faire fouiller l'esprit de sirène. Vous voyez? Parce que les gens ne comprennent pas, les gens sont tellement charmés. Or, la Bible dit que la femme doit garder ses cheveux. Mais une église qui dit à une femme de couper les cheveux, c'est contraire à la parole. Quand elle ne connaît pas la parole, elle coupe aussi les cheveux. Elle est maintenant en compte de la Bible. Mais là, la personne ne va pas la mettre. Vous voyez? La Bible dit ceci, Matthieu 4. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière.
Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est ce que j'ai dit de lever du soleil. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère, quand le frère Banan prêchait ses prédications, frère Banan n'était pas un historien. Toutes les prédications de frère Banan, il montrait Jésus au temps présent. Toutes ces prédications. Go away Jesus. C'était au temps présent. La lumière rouge de sa venue, c'était au temps présent. Dans la lumière rouge de sa venue, le frère Branham dit que vous êtes en garde. Vous voyez déjà la lumière est en train de clignoter. C'est que le train est déjà en garde. Amen. Je ne sais pas comment les gens lisent le message. Quand la lumière clignote, c'est-à-dire que le train est en garde. Si vous allez à la gare, si le train n'est pas encore en train de la gare, la lumière ne clignote pas. Jusqu'à ce que le train entre en gare, à ce moment la lumière commence à clignoter. Et le frère Branham nous a prêché cette prophétie. Look, Jesus was the same yesterday, today and forever. Tout ça, il montrait Jésus au temps présent. Et quand il va finir comme ça, il dit que maintenant, vous allez voir que vous allez comprendre que ce n'est pas moi. La lumière que vous, je vous ai parlé, vous allez voir ça maintenant. Il commence à discerner les pensées. Il le faisait pourquoi? Il dit, Seigneur, fais en sorte que les gens voient. Mais aveugle que nous sommes, c'est difficile pour nous de voir. La Bible dit que les deux disciples sur le chemin de Maos, ils étaient aveugles. Durant les âges d'église, ils étaient aveugles. Quand ils sont entrés maintenant dans la maison, quand il a brisé les pains, et leurs yeux s'ouvrirent. Amen. C'est pourquoi le professeur a dit au frère Branham, si tu es vraiment prophète, frappe-moi l'aveuglement. Frère Branham dit, je ne peux plus te frapper l'aveuglement parce que tu es jamais. Amen. C'est-à-dire que nous changeons la pensée de Dieu. Dieu est un séparateur. Quand la lumière est venue, dans Esaïe 43, on parle de cette lumière-là qui venait pour le juger. Mais nous savons que quand Jésus est venu pour sa première venue, il n'est pas venu pour juger. Amen. Il n'est pas venu comme un juge. Il est venu pour proclamer l'année de grâce, qui était la première partie du jubilé. Frère Branham dit que la deuxième partie du jubilé concernait sa seconde venue. Oh my, my. Il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce prêtre-là m'avait donné sa Bible. Chaque chose a sa raison d'être. Quand j'ai pris la Bible là, j'ai ouvert. Je suis tombé sur le passage là pour signaler que la seconde partie devait être proclamée. Et là, il nous dit que cette deuxième partie devait être proclamée à sa seconde venue quand il vient comme juge. Après, il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mais le Dieu nous a dit, nous attendons Jésus. Attendez, attendez Jésus, après le départ de l'Ésaïe. Rebecca attend Isaac après le départ de l'Ésaïe. Mais tu vas te bannir à tous les champs. Qui vont te montrer autre chose qu'Isaac. Il faudrait que vous viennent pendant tous être là. Amen. Pour nous pointer à Christ. Amen. Comme je l'ai dit, il serait irresponsable s'il ne nous a pas présenté à Christ. Amen. Voilà les bandes qui vont nous présenter. Mais qui a prêché dans les bandes? C'est ça. C'est la voix de qui? Moi. Si vous entendez dans la balle, vous pouvez maintenant vous pointer Jésus. C'est qu'il l'avait déjà fait à cette époque-là. Yes. Amen. Yes. Vous devez être sérieux avec le message, frère. Changement de pensée. Continuons. La lumière veut laisser par le ténèbre. Il est ceci. Now, in the beginning, Genesis 1:3, we found that there was darkness upon the earth, and the Spirit of God moved upon the water. So the word of God began to separate the light from the darkness. From the beginning, so does it remain till this day. Depuis le commencement, Dieu a commencé à séparer la lumière des ténèbres. Et cela demeure ainsi jusqu'à aujourd'hui. Amen.
Jusqu'à aujourd'hui, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. C'est pourquoi quand vous venez, avec ce que vous croyez là, automatiquement vous êtes ennemis. C'est genre. C'est comme je l'ai dit. Mais pourquoi est-ce que les gens haïssent le frère Branham? Parce qu'il était la lumière. Le frère Branham n'était pas un escroc. Ni Jésus, il n'était pas un escroc. Il n'a pas escroqué l'argent des gens. Mais il a été haï. Pourquoi? À cause de la lumière qu'il était. Et comme tous ces gens-là étaient des ténèbres, ils ne pouvaient pas cohabiter. C'est pourquoi on devait séparer. Amen. Le frère Branham ici, dans le message, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Dieu agit toujours de la même manière. Quand il s'apprête à utiliser quelque chose, comme il le fit pour cette fameuse étoile, pour le monde, ni quoi que ce soit, il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Thank you. Quand il s'apprête à employer un groupe de personnes, il doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Quand il s'apprête à employer un homme, il sépare la lumière avec les ténèbres. Amen. Ici, on voit que la lumière, ce sont les hommes. Les ténèbres aussi, ce sont les hommes. Si Dieu veut te donner une lumière, il te sépare. C'est ce qu'il a fait avec Jean-Baptiste. Son papa était un prêtre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il prend Jean-Baptiste et il l'amène au désert. Il donne carrément autre chose que ce qu'ils enseignaient à l'État. Et quand Jean-Baptiste est venu maintenant, c'était son temps de présenter le Messie. Ça, il ne l'a pas appris dans la synagogue. C'était ailleurs. Dieu devait les séparer. Parce que Dieu savait que si Jean-Baptiste suivait la voix de son père dans la synagogue, il ne prendrait pas la parole de Dieu. Amen. Dieu s'en séparatiste. Dieu s'en ségrégationniste. On parle de le faire, Dieu sépare. Ce n'est pas que nous voulons nous séparer des gens, comme je l'ai dit. Être séparé, ce n'est pas être ennemi. Mais c'est Dieu qui sépare. Amen. Le frère va nous dire ceci. Arrêtez la vie de changer sa personne au sujet de sa parole. Il voulait faire un groupe d'hommes. Mais Dieu ne traite pas avec des gens comme cela. Juste dans cette écriture, nous a montré un type de notre voyage aujourd'hui. Et cela nous montre que l'organisation n'est pas ce que Dieu a ordonné. Car aussitôt que Corée, il fait cela, il a dit, Moïse, tu te crois trop. En d'autres termes, l'assemblée entière est sainte. Et toi, tu dis que tu es le seul homme saint. C'est ce qu'ils ont dit, frère Branham. Ils ont dit, le frère Branham, quand il avait commencé son ministère, il avait bien commencé. Mais après quelques temps, il commençait à se présenter comme Dieu. Ne sachant pas que le frère Branham était Dieu manifesté dans la chair humaine. Le Dieu qu'il avait présenté, c'était un Dieu qui devait habiter en lui. Parce que le jour de sa naissance, la couronne de feu est venue. Cette lumière de Logos est venue en lui pour faire un travail. Il prend son corps en otage. Il devient lui-même la manifestation de Dieu dans la chair. Même le frère Branham devait écouter le message avec, dans une barre. Parce que quand il prêchait, ce n'est pas lui qui prêchait. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit que là où nous achetons les brochures, c'est la voix de Dieu. Les voix sont encore de recorder. N'est-ce pas? Alors, en ce moment-là, les frères Branham devaient se séparer. Pourquoi? Parce que ce qu'ils devaient apporter, la révélation des sceaux ne concernait pas tout le monde. L'ouverture de la parole, ce n'est pas pour tout le monde. Ceci ne concerne que les élus. Les gens qui ont été, qui ont existé dans la lumière. Parce que quand la lumière vient, la profondeur appelle une autre profondeur. C'est pourquoi on parle de l'aigron. Quand l'aigron était là, il était déjà un aigron. Sa nature était déjà la nature de l'aigron. Quand la mère aigle est venue, la mère aigle avait compris que l'aigron avait sa nature. Vous ne pouvez pas devenir Dieu, vous devez être Dieu, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que si vous êtes un être éternel, vous n'avez ni commencement ni fin. Vous reconnaissez les choses de l'éternité. Dieu a laissé le terre à message de l'Église pour que les gens puissent, n'est-ce pas, faire tout ce qu'ils veulent. Mais après le message de l'Église, Dieu ramène là sa pensée. Ce qui était le message de l'Église, ça devait être aboli. Amen. Et si vous restez dans le message de l'Église, c'est ça les ténèbres. Parce que quand la lumière est venue, le lever du soleil, le soleil est venu pour éclairer. Et si vous ne sortez pas des anges de l'Église, vous restez dans les ténèbres de la nuit. Amen. Et
mal. Parce que quand Christ vient, il nous offre des âges, il nous offre des âges d'église. Il nous enlève des âges d'église. Comme je l'ai dit, chaque messager était la lumière dans son âge. Et le départ d'un messager veut dire que la lumière est partie. Nous sommes convaincus que même dans l'âge d'Odyssée, le prophète est déjà parti. Vous, maintenant, vous restez seul dans l'âge d'Odyssée. Sans la lumière. Ça veut dire que vous êtes dans les ténèbres. Amen. Amen. Parce que dans l'âge d'Éphèse, quand nous étions dans l'âge d'Éphèse, quand Paul était parti, c'est fini, l'âge s'organise après le départ du prophète. N'est-ce pas? Dans l'âge d'Éphèse, quand Paul est parti, c'est les ténèbres. Smyrne, les ténèbres, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, personne ne peut nier que le frère Branham est parti. Si le frère Branham est parti, là, il a aussi c'est les ténèbres. C'est le chaos, c'est le chaos. D'ailleurs, c'était le chaos même avant son départ. Parce que le jour qu'il a laissé la lumière là, Dieu vient lui-même avec une main surnaturelle. Il agit tout. Papa nous dit, oh, nous dit, est-ce que les derniers élus ne pas encore appelés? Les derniers élus étaient déjà partis. Mais pour le prouver, noir sur blanc, on est tous d'accord pour un message que le frère Branham n'est plus là. Et c'est lui qui était la lumière de l'âge. Amen. Si il n'est pas là, il ne reste que le chaos là. Et l'enlèvement, c'est là. Amen. Si tu attends l'enlèvement, c'est-à-dire que tu es dans le chaos là. Dans les sept anges de Christ. Dans les ténèbres. Et pourtant, nous sommes déjà dans le lever du soleil. Voilà. Et quand nous sommes venus, maintenant chez les ténèbres nous rejettent. Parce que ce sont leurs propres déclarations. Frère, nous attendons l'enlèvement. Attendre l'enlèvement, c'est l'âge de la Odyssée. C'est-à-dire que toi, tu ne connais pas l'histoire de septième sceau. Amen. Amen. Parce que le septième sceau, ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est dans l'âge de la Odyssée. Tout celui qui est dans l'enlèvement, il n'a pas droit au livre des sceaux. Amen. Amen. Il n'a pas droit au livre des sceaux. C'est pourquoi il faut vraiment dire que non. Oui, les morts seront ressuscités. Il dit, mais pas de la manière dont vous vous pensez. Amen. Dans l'autre livre, il dit que est-ce que nous irons au cimetière? Serait la mère de papa et maman? Il dit, non, ça ne serait pas comme ça. La résurrection, Jésus dit que si vous croyez ma parole, vous êtes passé de la mort à la vie. Tous ces gens, dans les âges de Christ, ils étaient dans les gens au Père Esprit, ils étaient des morts. Ils avaient une mauvaise interprétation de la parole. À la descente de la nuée, ils sont tous venus pour prendre la pensée de Dieu. C'est la chose qui les a donné la résurrection. Si tu ne crois pas à la résurrection dans cet âge, commence par nier la résurrection d'Abraham. Parce que dans Matthieu 27, la Bible nous dit que les anciens, les saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités. Ils sont entrés dans la ville, beaucoup de gens les ont vus. Mais aujourd'hui, Abraham est où? Il habite où? En France, en Belgique. Parce qu'Abraham n'est pas mort. La Bible le confirme. Matthieu 27 dit qu'Abraham est vivant. David est vivant. Moïse est vivant. Et là, alors, si tu as de réunir la résurrection au temps de la fête, tu dois d'abord commencer à réunir la résurrection d'Abraham. Mais nous, quand nous avons fait toutes ces choses, nous comprenons que cela a déjà eu lieu. Je n'ai pas approuvé. Moi, ce que j'ai approuvé, c'est la nuée qui est descendue. Tu as dit que l'enlèvement est passé. Comment est-ce que l'enlèvement est passé? Parce que la nuée est venue. Tu as dit que les 144 000 sont appelés. Comment est-ce que l'enlèvement est passé? Quand est-ce que cela a eu lieu? Je ne sais pas. Mais la nuée est descendue. Amen. Parce que les rachats ne pouvaient pas se faire sans les 144 000. Lorsque nous prenons les livres de la rédemption descendre, c'est que les 144 000 sont appelés. Donc, ma justification, c'est la descente de la nuée. Et si quelqu'un ne voit pas ça, on doit arriver au moment où on sépare.
Parce que ce que nous croyons, c'est une conviction. Amen. Les femmes vont continuer 86. Corée et Nathan ont dit, est-ce qu'il n'y a que toi, Moïse? Vous, les gens de la révélation, il n'y a que vous. Et Moïse tourna simplement la tête et s'en alla. Il dit, Seigneur, que ferai-je? Dieu dit, c'est pas à toi de lui. J'en ai assez de cela. Et il l'engloutit dans la terre. Vous voyez, il y a eu conflit. Lorsque le charnel et le spirituel se rencontrent, il y a toujours conflit. Amen. Lorsque le charnel et le spirituel, comme je l'ai dit, le charnel, c'est celui qui a une compréhension charnelle des Écritures de Dieu. Qui appelle la lumière les ampoules. Amen. Qui pense que le Fils de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Non. Frère, on dit que je vois le Fils devant le trône du Père. Au commencement, le Fils existait déjà. Le Fils en question, c'est le Logos, c'est la colonne de feu. Mais le Fils a été manifesté dans Jésus de Galilée. Mais quand on parle du Fils, les gens voient Jésus de Galilée. C'est ça être charnel. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que votre Père Abraham a vu le jour et il s'est réjoui. Avec la composition charnelle, ils ont dit, mais toi tu n'as même pas 50 ans. Tu es un jeune homme. Comment est-ce que tu parles d'Abraham? Il ne savait pas que c'était la lumière qui avait appelé le monde à l'existence qui parlait. Amen. Et les disciples ont dit, mais on ne comprend plus rien. Mais tu nous parles de Père, mais montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus dit, oh, depuis le temps, il ne savait pas qu'on ne m'avait jamais connu. Mais c'est lui qui m'a dit à Dieu le Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Ah, bientôt je vais partir. Et vous en connaissez le chemin. Les disciples ont dit non, on ne connaît pas le chemin. Frère, on dit le retour vers le Père, c'était de redevenir la colonne de feu. C'était ça Jésus qui retournait vers le Père. Il est redevenu ce qu'il était avant de devenir la chair. Ça, c'est vraiment qui le déclare. Mais le crédit de regard la colonne de feu, il dit que j'attends Jésus. Mais tu attends quel Jésus? Parce que Jésus est là. Là, il est déjà venu pour l'exode dans le message de Christ. Parce qu'il a commencé avec Paul. Paul l'avait rencontré. Il était là jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Le mystère du retour de la colonne de feu. Comme maintenant l'exode est arrivé à la fin, la colonne de feu devait encore réapparaître. Et cette colonne de feu, c'est ça qui a conduit les gens dans l'exode depuis Éphèse jusqu'à dans la Odyssée. Et maintenant, quand on arrive à la Odyssée, nous entrons maintenant dans le septième saut, dans la nuit de gloire. Et les autres prophètes, le pays éternel du Dieu. Amen. 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 Lorsque Judas et Jésus se rencontrèrent, il y eut conflit. L'un était le fils de Dieu, l'autre le fils de Satan. Tout comme avec Caïn et Abel. Il y eut conflit lorsqu'ils se rencontrèrent. L'un d'eux était le trésorier et l'église. Et l'autre était un pasteur. Maintenant, nous arrivons de nouveau à la même chose aujourd'hui. La dénomination charnelle est l'épouse spirituelle de Christ. L'épouse spirituelle de Christ est tellement différente des organisations charnelles qu'il n'y a aucune comparaison possible entre elles. Amen. Amen. Tous ces gens-là, ils étaient dans une même église. Caïn et Abel, dans une même église. Corée et Nathan. Corée et Nathan et Moïse. Dans une même église. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils sont dans la même église, dans le même message de l'Union Mara. Amen. Les gens-là, ils ont dit à Jésus, nos pères ont mangé la manne du désert. Femme a dit, ils ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Ils ont été baptisés dans le baptême de Moïse, mais ils sont tous morts. Oui, nous avons vu le message, vous croyez le message, mais est-ce que vous comprenez ce message-là? Frère Branham dit, beaucoup de serviteurs, véritables serviteurs, manqueront de saisir ce prophète. Le ministère de Frère Branham a été mal compris. Or, le Frère Branham dit que cet messager aura le ministère prophétique de la pierre de fête. Il aura la puissance de l'infaillibilité. C'est le messager. Or, quand on parle de la pierre de fête, c'est le même messager, mais qui change le ministère. Parce qu'il est messager prophète.
Il travaille d'abord comme messager à l'âge de l'Odyssée, et après l'Odyssée, il travaille comme prophète. Un prophète, c'est le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est dans les 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, il révèle à niveau là où il est le fils de David. Amen. Amen. Parce qu'il y avait des trois noms de fils. Le fils de Dieu est revenu, le fils de l'homme est revenu 2 fois parce que cela a été coupé. Or, quand vous voyez la réapparition du fils de l'homme, c'est là que simplement dit que le dernier morceau du 3 ans et demi devait s'accomplir. Après ça, vous voyez directement le fils de David. Or, si nous disons que ça, ce n'est pas le fils de David, mais nous sommes dans quelle dispensation, de quel fils? Fils de Dieu ou fils de David? Ou fils de Dieu? Parce que le fils de Dieu, c'était dans les âges de l'Église. Cela a déjà eu lieu. Et le frère Branham a exercé le ministère du fils de l'homme. Parce que le frère Branham dit que le fils de l'homme, c'est la colonne de feu et le prophète. Le prophète n'est pas le fils de l'homme. La colonne de feu n'est pas le fils de l'homme. Mais ensemble, ça vous donne le fils de l'homme. Pour accomplir les 3 ans et demi. Et ces 3 ans et demi-là, ce n'est pas pour nous. Amen. Parce que pour le juif, il est le fils de l'homme. Pour les chrétiens, il est le fils de Dieu. Quand il est révélé le fils de l'homme, c'est pour les juifs. Voilà pourquoi il a dit, j'ai quelque chose à faire pour l'appel des juifs. Le frère Branham l'a accompli, il l'a fait. Il a appelé les juifs. Et la nuée est descendue. Jésus, le fils de David, est sur son trône. Amen. Il a laissé le trône du Père pour prendre son propre trône. Qui? Ses sujets rachetés. L'épouse. Amen. 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 Et voilà, le frère Branham continue. L'épouse spirituelle de Christ est tellement différente des organisations charnelles qu'il n'y a aucune comparaison possible entre elles. Amen. Donc, comme je l'ai dit, Dieu c'est un ségrégationniste. Dieu sépare. Je prends une citation du frère Branham pour finir. Dans le chef-d'œuvre, le frère Branham disait, lorsqu'il a fait son premier chef-d'œuvre, il a placé derrière la parole. Quand il a fait le deuxième chef-d'œuvre, celui-ci était la parole. Amen. Il était la parole, non pas derrière la parole, mais il était la parole. Dieu ne change pas son plan. C'est exactement par la parole qu'il a commencé à faire la première église. Eh bien, Dieu, la parole, était au commencement indépendant de tous les autres, de tous les restes. Tous les autres, de tous les autres hommes. Eh bien, je ne veux pas dire cela pour être particulier. Dieu est un ségrégationniste. Savez-vous cela? Vous parlez de l'intégration. Dieu est un ségrégationniste. Il est certainement. Il sépare son peuple du monde. Il sépare Israël sa nation. Il cherche à séparer son église du monde. Mais l'église veut continuer avec le monde. C'est ça le problème. Et son peuple a toujours été mis à part pour lui qui est. Pour lui qui? Qui est-il? La parole. Maintenant, Dieu est un ségrégationniste, moi aussi. Amen. Tout chrétien est un ségrégationniste. Yes, sir. Amen. Nous sommes des ségrégationnistes. Quand je dis ça, je ne pêche pas. Amen. 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 Parce que quand on est un seul frère, ça ne colle pas. Ça ne va jamais coller par rapport à ce que nous croyons. Nous, on a simplement compris ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui croyaient ces choses, ils ont abandonné. Ils ne prêchent plus ça. Vous le voyez dans les conversations, quand ils prêchent carrément autre chose. Mais dans son cœur, il a autre chose. Au fait, on dit qu'un hypocrite, c'est celui qui a autre chose dans son cœur et il dit autre chose. Moi, je ne vais pas être comme ça. Je prêche ce qui est dans mon cœur. Comme Dieu a dit que nous sommes des ségrégationnistes, on est obligé de nous séparer. Amen. Dieu sépare son peuple de tous les autres. Ils ont toujours été l'objet d'une ségrégation. Même si vous ne vous séparez pas vous-même, eux-mêmes, ils vont vous écarter. Yes, c'est vrai. Parce que les ténèbres ne supportent jamais la lumière, frère. Il a choisi une nation, il a choisi un peuple. C'est un ségrégationniste. Il a fait toutes les nations. Mais cependant, un véritable et authentique chrétien doit être ségrégationniste.
Il se sépare des choses du monde, de tout, et en vient à un but. Le but c'est quoi? Jésus-Christ. Amen. La fête de l'église, ce n'est pas une affaire d'argent. Comme je l'ai toujours dit, si tu as besoin d'argent, fais un business. Laisse les histoires de l'église. Amen. Mais ils en ont fait un business. Comme à cet âge, c'était déjà un business. Et quand le Messie est venu, ils étaient obligés de le rejeter. Aujourd'hui, quand on montre à ces gens-là, même nous montrons les citations, que voilà, cette citation est accomplie, cette promesse est accomplie. Ils ne croiront jamais. Parce que si vous dites aux gens que l'enlèvement des lieu, ça va produire un découragement. Amen. Si quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu, vous dites que l'enlèvement est lieu, ça produit un découragement. Pourquoi je vais à l'église? Pour chercher quoi? Or, nous savons que, en tant que fils de Dieu, si nous venons, quand nous venons ici, nous voyons les livres de la rédemption, nous nous réjouissons. Amen. Maintenant, là, c'est le moment de la réjouissance. Amen. Amen. On se réjouit de ce qui a été révélé. Amen. Parce que la parole de Dieu est venue nous révéler notre identité. Amen. Parce que celui qui n'a pas reçu le livre de sort, il doute encore de Dieu. Il doute même de sa destination, de sa destinée. Amen. Parce que le seul livre qui vous montre qui vous êtes, d'où vous venez et où est-ce que vous allez, c'est ce livre. Le sort. Amen. Et si vous n'avez pas ça, vous avez encore des doutes sur vous-même. C'est pourquoi vous comptez sur l'enlèvement. Et quand vous enlevez l'enlèvement, les gens sont sans espoir. Alors, à ce moment-là, même s'ils croient ça, ils seront obligés de continuer à marcher comme ça. Amen. Et les autres, ils ne supportent pas la ségrégation. Ils ont tellement été séparés des autres, ils ne supportent plus ça. Ils ont dit, frère, disons simplement aux gens que l'enlèvement vient pas. Apportons maintenant un message évangélique aux gens. Mais dans son cœur, il sait que ce n'est pas comme ça. Alors c'est un bloqué. Et c'est un pharisien. Oui, oui. Un pharisien, c'est un acteur. Amen. Mais Jésus disait la vérité. Jésus était la personne qui avait séparé l'église. Quand ils étaient ensemble, c'était bien. Mais ils savaient qu'il y a une prédication, si tape ça comme ça, les gens vont partir. Buvez, mangez ça et mangez ma chair. Frère Valandi, il n'a pas expliqué. Les disciples ont dit qu'il est dur cette parole. Ils sont tous partis. Et il regarde encore les douze qui étaient restés. Il dit, mais vous ne partez pas pour moi. Mais Jésus dispersait sur l'église lui-même. Parce qu'il savait qu'à un certain moment, des masses devaient quitter. Voilà. Des masses devaient abandonner. Amen. Amen. C'est comme on dit à chaque notre frère Nathan. Frère, regarde à côté de toi. Si des masses est encore là, c'est que tu n'es pas encore arrivé à l'état présent de ton ministère. Mm. Parce qu'en réalité, des masses doivent quitter. Et beaucoup de gens ne supportent pas le départ de des masses. Amen. Mais des masses doivent partir. Amen. On doit proclamer ces choses parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est notre héritage. Et on n'a pas peur de la ségrégation. Amen. Nous aimons les gens. Mais si les gens nous refusent, on accepte ça comme ça. C'est leur droit aussi. Et chaque personne a le droit de croire ce qu'il veut. On ne leur fait pas la guerre. Nul ne peut venir à moi sans que mon Père l'attire premièrement. C'est une affaire de prédestination. Si tout le monde comprend ça, il n'y aura plus de guerre dans ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur un jour s'est levé. Voici qu'un